Ouais, survivant! Bienvenue sur VLFR.gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le PTR. Donc attention, disclaimer, etc. Vous connaissez, vous avez l'habitude, on est sur le PTR. Ça peut changer en fonction du vrai serveur. Donc, on est là aujourd'hui pour le nouveau Behemoth. On va aller voir ça ensemble. Ils ont eu du mal à nous le donner. On a eu 4 mises à jour de PTR en 2 jours pour pouvoir avoir ce fameux nouveau Behemoth. Donc, grosse déception, ils sont pas foulés niveau design, ils nous ont mis un aigle, comme le pet. Je trouve qu'ils auraient pu nous mettre un animal différent, mais bon, après ça c'est les goûts et les couleurs. Donc on se retrouve avec un deuxième compagnon. Donc on avait le premier robot, et là on a l'aigle de combat, qu'on va pouvoir augmenter de la même manière. Pour l'instant on est vraiment sur une première vidéo. Comme vous le voyez, on a des nouveaux fragments disponibles. On va pouvoir utiliser les fragments de l'autre Behemoth pour pouvoir améliorer celui-là. Vous avez exactement la même chose avec tout un arbre. On reviendra sur une vidéo maxée dès qu'une de nos baleines aura maxé tout ça. Hein, sûrement qu'un Monroe, un Daddy, il va maxer ça en 2 jours. Donc on viendra voir un petit peu tout. Mais en gros, voilà le nouveau Behemoth. On n'a pas d'activité. On n'a pas d'event, on n'avait pas eu d'activité ni d'event pour le compagnon précédent. Mais voilà, au moins celui-là va nous permettre d'avoir un compagnon supplémentaire et d'avoir surtout un arbre. C'est tout l'arbre qui va nous intéresser avec tous les skills. Vous avez vraiment des skills qui vont être vraiment intéressants. Les skills de base, bien évidemment, attaque, rider, infanterie, hunter. Vous allez avoir de la capacité, de l'augmentation, de training de troupes. Vous allez avoir énormément de choses. On reviendra sur une vidéo un peu détaillée. Niveau item, ça a l'air d'être les... Oh, c'est des différents encore. Tout est différent. 3 items différents. Ça va être différent pour les potions, différent pour les skills et différent pour les fragments. Mais tout ça, vous allez pouvoir les recycler avec vos fragments de dino, de behemoth et du compagnon précédent. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo présentation. Ils vont sûrement nous rebalancer un Behemoth, hein, qui dit compagnon dit Behemoth qui va arriver bientôt. Mais voilà, et encore une fois niveau design, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais on se retrouve vraiment comme le Falcon Stacker. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà, première petite vidéo présentation, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je vienne vous brûler. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao survivants.